Bonsoir, nous revoilà donc comme promis. Nous allons à présent vous proposer une émission spéciale consacrée au moment phare de cette longue journée. Un document réalisé par Nathalie Pigellet, Olivier Perroux et Nathalie Devic. Le jour s'est levé sur le Palais Royal, mais malheureusement pas un rayon de soleil pour venir réchauffer l'air glacial. Est-ce seulement le temps hivernal qui a refroidi les ardeurs, ou encore l'attrait de l'importante couverture médiatique à la télévision? Toujours est-il que la foule a été lente à se rassembler ce matin. Ni les trains, ni les routes n'ont été pris d'assaut, comme on le craignait pourtant. Situation donc parfaitement calme, annoncent satisfaites les forces de l'ordre. Seuls deux violas, arborant un superbe chapeau en plume de colibri, aux côtés du prince Laurent, suivi immédiatement par le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg, famille très proche de nos souverains, et par la princesse Astrid, son époux le prince Lorenz et leurs enfants. Également conviés à prendre place dans ce premier cortège, les frères et sœurs de Mathilde ont à leur tour descendu lentement le grand escalier d'honneur. Quelques minutes plus tard, le roi, apparemment d'excellente humeur, et la comtesse Dutkheim d'Aco apparaissent à leur tour, tout sourire, avant de laisser place aux futurs mariés. Le prince Philippe se fait quelque peu attendre par la reine Paola, puis, pendant qu'ils rejoignent les voitures et l'escorte à cheval, la reine du jour, celle qui dans moins d'une demi-heure à présent deviendra princesse, sort enfin de l'antichambre au bras de son père, fait aujourd'hui même compte par le mariage de sa fille, visiblement impressionnée. On découvre alors le grand secret de ces derniers jours, la robe de la future mariée, une robe toute sobre et élégante dans un tissu en crêpe drap de soie. Un diadème en brillant offert par la reine Elisabeth à la reine Astrid à la naissance du roi Albert et un voile en dentelle de Bruxelles porté il y a 120 ans par l'arrière-grand-mère du prince Philippe et par la reine Paola lors de son mariage avec le roi. Et un coup de canon sont tirés depuis le parc de Bruxelles par la batterie paracommando de Brascat. Une armée ainsi que le gouverneur de Bruxelles. Tout au long de la lecture de l'acte, Philippe et Mathilde ne se lâcheront que très rarement la main. Madame, Majesté, Altesse impériale et royale, Excellences, Mesdames, Messieurs, votre présence en cet hôtel de ville est pour les autorités communales de la capitale de la Belgique et pour la population bruxelloise un honneur dont je tiens à vous remercier, sire. Son Altesse royale, le prince Philippe Léopold Louis-Marie, duc de Brabant, prince de Belgique, sénateur, grand cordon de l'ordre de Léopold, titulaire de diverses distinctions honorifiques étrangères, et demoiselle Mathilde Marie-Christine Guilaine, du Dutkheim d'Aco, née à Uccle le 20 janvier 1973, domiciliée à Bastogne, Losange 2, fille majeure de messire Patrick Paul-François Xen, du Dutkheim d'Aco. Verklaart u als echtgenote te nemen, hoogwelgeboren vrouw jongvrouw, Mathilde Marie Christine Guilaine du Dutkheim d'Aco. Monseigneur, erklären Sie, hoogwelgeboren Fräulein, Mathilde Marie Christine Guilaine du Dutkheim d'Aco, zur Ehefrau zu nehmen. Ja. Demoiselle, déclarez-vous prendre pour époux son Altesse royale le prince Philippe Léopold Louis-Marie. Hoogwelgeboren vrouw jongvrouw, verklaart u als echtgenoot te nemen zijn koninklijke hoogheid, prins Philippe Léopold Louis-Marie. Hoogwelgeborenes Fräulein, erklären Sie seine koninklijke hoogheid, prins Philippe Léopold Louis-Marie, zum Heerman zu nehmen. Oui. Thank you.
action, en ce jour qui doit grandement réjouir vos cœurs, ainsi que le cœur de Monsieur et Madame du Duquesne d'Acos, qui sont eux aussi des très bienvenus. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, nous l'acceptons. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec. Mathilde, ik neem jou tot mijn echtgenote, vandaag en alle dagen van mijn leven, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom. Ik beloof je lief te hebben, tot de dood ons scheidt. Philippe, je te reçois pour époux et me donne à toi, pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Voltans dans la kerkgemeenschap, u beschouwen als u. Mathilde, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre... C'est la galère, l'aspiro est bien trop gros, c'est deux vieilles brosses, mes chers, je décroche. Swiffer, c'est nouveau, facile à assembler, radical pour tout dépoussiérer. Swiffer à ta poussière est révolutionnaire. Vive le système Swiffer. Comme un aimant, Swiffer attire la poussière et les poils d'animaux. On peut utiliser la lingette des deux côtés et poubelle. Swiffer à ta poussière est révolutionnaire. Vive le système Swiffer. Quand Swiffer passe, la poussière s'efface.